Jeune petite demoiselle ça n'a pas gardé là, l'irélé Giovanni Smith, li gen seulement 15 l'année sous tête li, mais li décidé mettre fin à la vie li, parce que t'as semblé li pas qu'à vivre encore avec problème coronavirus. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Regino Moïse et m'a présenté aux connaissances ses richesses. Phénomène coronavirus là, c'est un phénomène qui est traumatisant en pile, pas seulement la caille grand moun yo, mais aussi la caille ti moun yo, parce que leur lever chaque jour ou nan yon caille ou pas faire rien ou pas ka sorti ou pas jwenn zanmi ou pou jwe. Li capable vraiment vraiment stressant et il capable agir sur psychologie tout le monde. Eh bien, c'est ça qui veut jeune Timon ça qui a seulement 15 l'année, Giovanni Smith, et dans fin mois qui sont passé là, yo jwenni pan tèt li nan basement la kayli nan une ville qui est Stockton dans l'état California aux États-Unis. Pas besoin de nous, c'est une nouvelle qui t'a dévasté famille, qui t'a dévasté maman, dévasté camarade l'école, professeur, surtout que c'est un petit monde qui t'est très actif dans le domaine l'école et dans le domaine sport l'école. Donc c'est une nouvelle qui t'est vraiment vraiment triste, qui t'est dévasté toute communauté côté les mêmes l'état vivre dans l'état californien. Si ou se yon moun ki te aktif et ou ete nan kay ou pa fè rien, sa ka fè ou déprimé et sa ka gen gros conséquences sou ou, au point même que ou kapab même décider et mette fin à la vie ou. C'est pas seulement ti moun yo ki vulnérable dans sens lan, grand moun yo tout très touché par problème ça. Yo fè konnen violence domestique, ça veut dire mari kap goumen avec madame, madame kap frappe mari, ou bien encore et parent kap bati moun. Et bien yo fè konnen ka sa yo augmenté en pile pendant période moun yo nan isolement pendant que yo nan quarantaine. Nan yon pays tankou Afrique du Sud, depuis première semaine que yo te lòk peyi a, la police a enregistré plus que 90 000 cas de violence domestique. Nous comprenons ça, c'est un chiffre qui est vraiment élevé. Et dans un pays, comme l'Afrique du Sud, qui est un gros, gros pays, 90 000 cas dans seulement la première semaine que nous avons été en confinement. Donc, c'est un chiffre qui vraiment, vraiment fait peur. Te ka comprenn les deux moun remen yon lot tan kou mari avec madame yo jwenn de possibilité pou yo rete nan kay nan yon pays tan kou États-Unis côté yon pa gen tan pou lot. Nou te ka pense que et confinement ça t'a pral rapprocher yo pi plus yon de lot. Eh bien t'a semblé que pour en pile là d'ailleurs c'est le contraire. Policiers aux États-Unis fait connait que dernier jour ça yo là pi fois appel 911 que yo recevoir, c'est mari qui gen compte avec madame ou bien madame qui gen compte avec mari. Nan fin mois mars la qui s'est passé là, une jeune dame de 30 ans t'a tué maril pendant période ça tout. Et c'est pas seulement cas ça yo enregistré, gen plusieurs autres cas de meurtre, soit mari tué madame ou bien madame tué mari. Une situation qui est vraiment alarmante. Pendant que il y a pile monde qui pensait que pral gagner un phénomène de baby boom, ça veut dire pral gagner pile petit monde qui fête après période ça, mais il y a pile avocat tout cap ranger corps là pour aller faire un pile cob parce que yo prévoit que taux divorce pral augmenter en pile. Yo même créé un site internet qui bail information ou bien qui bail aide si ou ta gen problème avec famille qui côté pour joindre ressources qui côté yo capable aider. Mes amis, bagay la grave, le monde bouleversé
tout côté passé c'est problème, tout côté passé c'est mauvaise nouvelle. Et m'a demandé tout le monde qui a suivre moi dans moment ça, fait un peu prudence, pas faire tête nous chaud, mais rester tête frette, éviter pour nous pas contracter maladie ça. Ou t'ap suivre connaissance si richesse, pas oublier abonner à channel ça et activer cloche là pour pas rater aucune notification les nous mettez nouveau vidéo. Merci à nous toutes, n'abord rendez-vous pour une prochaine vidéo.